Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau mardi, jour de mars, jour où on met des coups de châtaigne et puis voilà, puis on se laisse pas faire. Alors merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. Merci pour toutes vos gentillesses à mon égard, ça me touche bien sûr chaque fois. C'est vraiment topissime. Alors on va faire une vidéo enquête aujourd'hui. Pourquoi s'en vont-ils? Et vous comprendrez dans quelques minutes. Avant cela, une fois n'est pas coutume, je vais vous représenter des livres que je vous ai présentés dans le passé, comme on arrive au moment des fêtes, pour vous faire plaisir vous-même, ou disons vous les faire offrir tout simplement, parce que pour moi, ce sont des instruments très utiles et qui vont nous servir à partir de maintenant. D'accord. Alors le premier, c'est de Michel Pierre et Caroline Gaillet aux éditions Le Duc, Ma Bible de l'herboristerie. Je sais que nombre d'entre vous l'avez reçu. Hein, il n'y a pas de souci. Michel Pierre, c'est un immense herboriste qui a eu beaucoup de problèmes, qui est allé se battre au niveau de la Cour européenne et compagnie pour faire valoir ses, parce qu'ils ont tenté de l'arrêter quoi, tellement qu'il est très doué. C'est un livre, pardon, qui fonctionne par pathologie, voyez-vous, à l'intérieur. Il est très très bien fait et il vous aide à comprendre, et grâce aux plantes, si vous voulez, pour vous aider. Je vous rappelle qu'on va rentrer dans cette période-là où on aura besoin de ce genre de choses. Tous ces livres, je les ai obtenus à chez Cultura personnellement. C'est là où je vais très souvent à Valence. Le deuxième, Ma Bible, toujours aux collections Le Duc, Daniel Briez, William Kawa, Ma Bible des pierres et des cristaux, le guide illustré de la lithothérapie, excellent ouvrage également, dont je me sers personnellement, voilà, donc ça c'est excellent. Le troisième, pareil, toujours, voilà, toujours extraordinaire, Ma Bible des huiles essentielles, toujours pareil, hein. Donc excellent pour apprendre et à faire soi-même. Par rapport à cela et aux huiles essentielles, il faut vous adresser au niveau local. Et c'est vrai que bon, la peste aux étoiles, ça part en vrille, vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Voilà, ici pour les entorses, ils vous expliquent comment faire. Donc, au niveau local, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des huiles essentielles au niveau local. Et vous savez, au plus on interdit les choses pour les gens, au plus les gens vont le faire dans le dos. Hein, ils le feront autrement, ils vont pas s'arrêter. C'est comme l'herboristerie, tout ça. On va pas s'arrêter. Voilà. Alors, ça fait partie des livres. Ici, nous avons la verveine citronnée, le thym à thymol. Voyez-vous, donc c'est vraiment très très bien conçu. Carottes cultivées. Ben moi actuellement, je fais des poireaux et des carottes. Voilà. Enfin, nous, on est en train de fonctionner en autonomie bientôt, puisqu'on va installer aussi, après la sécurité, on va installer des panneaux solaires, voyez-vous, parce qu'il faut tout qu'on soit bien correctement. Et ceux qui ont peu... Alors, je vais vous donner les prix, excusez-moi, les amis. Celui-ci, il est à 20, les huiles essentielles, 29,90 €. Pardon. La lithothérapie, pareil, 29,90 €. Et l'autre, le dernier, pareil, 29,90 €. Et le dernier qui est très très bien. Alors, vous le trouverez également, ils ont juste changé la page, d'accord, la couverture, à Gaël, donc l'herbier des sorcières aux éditions Danaé. Je pense qu'ils ont juste changé la couverture. Alors là, celui-ci, il est pas cher, 17,95 €, 18 €, quoi. Et chaque fois, elle vous montre la plante. Alors, la pensée sauvage, par exemple, les explications pharmaceutiques des effets sorciers, les effets sorciers, voilà, les usages magiques, comment utiliser la plante. Voyez, après, c'est la petite camomille, etc. Il est très bien fait. Elle explique notamment, Aga, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, comment notamment, les amis, si vous voulez faire planter des herbes, planter sur un rebord de fenêtre, sur un balcon, enfin ce que vous avez comme espace, et ça c'est vraiment très très bien fait. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire. Alors,
pourquoi on va faire cette enquête, mais où ils s'en vont, mais où vont-ils? C'est par rapport, je ne sais pas si vous avez remarqué tous ces derniers temps, beaucoup de gens jeunes, entre 30 et 50 environ, connus, la plupart du temps connus, acteurs, sportifs, disparaissent d'une façon dramatique et vraiment c'est instantané. D'accord? Donc je voudrais bien comprendre et savoir ce qui se passe. Bon, on a eu Mathieu Perry, mais c'est pas le seul. On retrouve beaucoup de sportifs comme une mort subite, voyez-vous, ou alors beaucoup de jeunes avec, bon, je sais qu'il y a toujours eu des cancers de partout, mais avec des cancers foudroyants, d'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse cette enquête, d'aller voir tout simplement pourquoi ils s'en vont. Alors, pourquoi s'en vont-ils? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Est-ce qu'ils sont... parce que bon, ben, j'écoute pas toujours ce qui se dit à la télé quand on me dit c'est pendu ou c'est comme le Marouane là, vous savez, de plus belle la vie, pareil. Alors lui, je crois pas une seule seconde que ce soit il se soit pendu, hein. Pour moi, il s'est pas pendu du tout. On l'a pendu si vous voulez, mais pour moi, il s'est pas donné la mort pour moi. D'accord. Voilà, ça fait partie aussi des gens qui disparaissent et je veux comprendre parce que je suis certaine qu'il y a un point commun entre eux et je voudrais bien comprendre. Alors on va partir à l'aventure. Alors pourquoi ces gens s'en vont-ils aussi subitement? En plus, le Marouane savait très bien qu'il allait reprendre plus belle la vie, dire qu'il avait des troubles psychologiques et tout ça, c'est facile à dire. Voilà, pour moi, si vous voulez, c'est même pas lui qui conduisait la voiture par rapport à l'accident, le Marouane. C'est ce que j'avais, vous savez, des fois on a des flashs comme ça, et c'est ce que j'avais eu comme flash. Alors voilà, pour les nouveaux abonnés, donc je prends les cartes majeures et je les mélange aux cartes mineures. Je rappelle qu'un tarot se lit dans son entièreté, sinon ça fausse la donne forcément, hein, d'accord? C'est comme si vous faites une recette de cuisine. Et que voilà, au fait, demain soir, nous ferons des pasta pastaga. J'ai un pasta maker, vous savez, pour faire des bonnes pâtes fraîches, parce que j'adore faire les choses à la maison. Donc comme ça, ben, je vous montrerai comment je fais, tout simplement avec mon appareil pour faire des pâtes fraîches. Et ma recette à moi, des pasta pastaga. Pastaga. Pastaga, c'est pastis, hein, bien sûr. Voilà. Alors, dites-moi par rapport où ils vont tous ces gens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils disparaissent, quel est ce mystère, le mystère, pourquoi y a-t-il un mystère là-dessous, on va appeler mystère plutôt qu'enquête, voyez-vous, pourquoi ils s'en vont, je veux comprendre, dites-moi tout ce qui se passe et pourquoi ils s'en vont. Oui, j'ai pris le Touchstone Tarot, hein, je l'aime bien celui-là. Voilà, et je dois recevoir un livre que je vous présenterai demain, je l'attends, il arrive des États-Unis, donc je vous montrerai ça. Voilà, un livre, c'est le fameux grimoire de Paul Hewson, qui est un grand mage aux États-Unis aujourd'hui, qui est d'origine britannique, et qui était acteur avec Paul Newman dans les années 70, à l'époque il était un jeune et faible, et qui est devenu un très très grand mage de renom. Il a 80 et quelques aujourd'hui, je ne sais pas quel âge il a, mais il a pu jouer dans des rôles après. Il n'a vécu que de la magie pour lui-même. D'ailleurs, on ne le voit jamais, ou rarement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il y a bien quelque chose de caché, d'écrit, de souhaité par rapport à cela. On voit qu'il y a bien une entreprise financière. Le 3, en plus, c'est les finances qui gouvernent. D'accord. Donc, d'un projet. En fait, tous ces gens-là me disent qu'ils ont été achetés pour une cause financière. Donc, pour moi, je vois d'entrée de jeu un lobby et une manœuvre. En fait, c'est comme s'ils avaient été achetés pour faire quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Oh, ça me fait
Ça me fait penser à Sam Smith. Sam, hein, je crois qu'il s'appelle. Celui qui est le pote à Madonna et qui avait fait, je crois, Music Awards. Il avait fait aux États-Unis un rituel en même temps qu'il faisait un rituel satanique, en même temps qu'il dansait, chantait. Mais lui, il obéit aux ordres. Il était très proche de Epstein à l'époque. Voilà. Là, il y a eu des choses qu'ils auraient dû faire qu'ils n'ont pas fait. Ils étaient payés pour faire des actions qu'ils ont refusé de se soumettre. Donc là, c'est clair pour moi concernant le Marwan, mais aussi le Matthew, mais d'autres. D'accord, dans le monde du spectacle, c'est connu. Il faut obéir. C'est un monde de rituels sataniques, mais là, on le sait. Mais là. Là, ça me dit tellement qu'il y a un projet qui n'a pas abouti et ils devaient faire quelque chose. On leur a demandé de faire. C'est comme des cercles de pouvoir, si vous voulez, où on leur demande de faire des choses qu'ils veulent pas. Donc ils se font zigouiller. Ah ben, à ce propos, je vais vous donner une expérience personnelle. Est-ce que je peux vous la dire, hein? Vous savez que j'ai fait partie de certains cercles du pouvoir. Et à un moment donné, j'ai refusé certaines choses et je vous avoue, j'habitais en Alsace à l'époque et j'aime autant vous dire que je l'ai senti passer au niveau des énergies puisqu'on peut faire des tas de choses avec les énergies et j'ai cru qu'à l'époque, ma dernière heure était arrivée. En fait, ça a duré quelques jours où j'étais très très mal au niveau des maux de tête épouvantables. Donc là, je peux vous en dire d'entrée de jeu qu'il y a bien des lobbies et ces gens qui n'existent plus, que ce soit acteurs ou alors que ce soit du monde du sport ou autre, sont payés pour faire certaines choses. S'ils ne les font pas, alors on les zigouille. Là, d'entrée de jeu, ça me dit. C'est pour ça que j'adore le tarot, parce que d'abord, il vous donne une solution et après, il s'explique. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, il y avait bien une colère. En fait, il voulait se rebeller, je pense, à ces acteurs ou ces choses comme ça, ou dénoncer les choses. Et il y a bien eu, vous voyez déjà, ben là, on est vraiment dans les couteaux aiguisés ou les épées aiguisées, d'accord, pour s'en débarrasser. C'est des gens beaucoup trop faibles et fragiles qui ne voulaient pas faire certaines choses qu'on leur demandait de faire. Aucune communication et le diable arrive. Donc pour moi, tous ces gens jeunes sont sacrifiés. Je parle de ceux qui ont des morts subites ou qu'on retrouve pendus ou dans leur baignoire ou tout ce qui s'ensuit. De ceux qui sont connus actuellement, c'est ça. Donc pour moi, le Marwan ou c'est Marwan? Je sais plus. Vous me le direz dans les commentaires. L'acteur de Plus belle la vie ou alors... Le Mathieu Perry ou d'autres, c'est la même chose. Ils ont refusé de se soumettre à des rituels ou tout au moins à des obligations. Donc d'entrée de jeu, les deux ne sont pas morts de leur propre volonté. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Le groupe. D'accord. Bon, il y a des gens qui ont été payés pour exécuter la basse besogne. Hein. Donc on me parle de religion, mais pas dans la religion sacrée, c'est-à-dire que c'est des cercles de pouvoir qui sont très très puissants hein, pour en connaître. Ils sont excessivement puissants, mais il y a un côté sacré pour eux, hein, tout au moins, il y a un côté sacré. Est-ce que le pape en fait partie? Oui, bien sûr. Oui. Le pape, il n'y a pas plus démon que lui. Pour moi, c'est un démon, ce bonhomme. C'est pas autre chose qu'un démon. Excusez-moi pour nos amis catholiques, hein, mais je vous dis ce que je pense véritablement sur le sujet. D'accord? Véritablement. Donc, les choses étaient cachées. Il y a bien de l'argent, des gens qui ont reçu de l'argent pour exécuter. En général, ils payent pour le savoir. Ils payent des gens proches. Vous devriez aller voir un film qui s'appelle La Firme avec comment il s'appelle, Tom Cruise, je crois. Hein? D'accord? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous devez faire partie d'une caste, quasiment une secte, une religion, appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc, ça me parle de gens très très jeunes, une volonté masquée.
une volonté masquée dirigée par ces groupes sataniques, ces groupes, ces cercles de pouvoir. Alors, tous ne sont pas des groupes sataniques, il y a des gens très bien, j'en connais, d'autres qui le sont moins. Et en général, ben bon, on les exécute d'une façon cachée. On retrouve leur corps en faisant croire qu'ils se sont suicidés ou etc. etc. D'accord. Donc là, d'entrée de jeu, j'avais raison sur le sujet de faire ce tirage aujourd'hui. Voilà. Donc, en aucune façon, la communication apparaîtra véritable. C'est un peu comme Marilyn Monroe, voyez-vous. Voilà, on l'a fait croire suicidée. J'avais fait une vidéo, mais il y a très longtemps, sur Marilyn Monroe. Vous pouvez aller voir, sur Michael Jackson aussi. Et là, je peux vous annoncer qu'il n'y a aucune communication par rapport. C'est une exécution. Là, c'est une certitude. Association, le 3 gouverne, on le sait. Le 5 la compose, le 7 le rend parfait. Vous n'allez pas me dire que. Non. Donc ici, le 3 gouverne. Le 5 la compose. Donc il y avait 5 personnes pour exécuter la personne en question. Alors ça peut, j'ai vu notamment chez des footballeurs, rugbyman ou autres, de tomber par terre, boum, comme ça. Alors en général, c'est des potions qu'on leur donne, ou il y a des gens qui font des massages ou des trucs comme ça, voyez-vous. Et voilà, et puis on leur met quelque chose sous la peau, et ça, vous savez, on fait beaucoup de choses aujourd'hui. Malheureusement, dans ce monde satanique, Ouais, c'est des gens très jeunes, hein, en général, qu'on exécute parce qu'ils refusent. Alors, si vous voulez, c'est des gens à qui on leur donne tout, tout, dans la main, de devenir des grands acteurs et tout. Mais quand ils sont pris en main, en général, ils doivent obéir. Voilà. C'est pour ça que tous ces acteurs et autres, ils font ce qu'on leur dit de faire. Et bien, en général, c'est des gens très, très bêtes. Nous avons la force ici. Décision, changement radical concernant les personnes. Donc c'est bien le monde des lobbies qui est intéressé. Et ici, non, il y a vraiment des rituels. En fait, on les oblige à faire des rituels et on leur impose d'avoir des actions sur d'autres. Alors s'ils les ont pas, ben c'est ça. Enfin, c'est ce que moi j'avais refusé à un moment donné, de sortir de tout ça. Et de dire, non, moi, je veux une vie tranquille, peinarde, ras des baskets, et ben, ça a été très compliqué pour moi, à l'époque. Voilà, je vous fais des confidences, hein. C'était à Paris. À Paris, je ne vais pas vous dire où, hein. Dans le 18e, si je vous dis juste le quartier, c'était l'arrondissement dans le 18e. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé pour là? D'accord, donc on a bien, comme vous voyez, exécuter la personne de façon cachée, d'accord? On exécute les gens de façon cachée, encore une fois, par des donneurs d'ordre, hein, tout simplement. Il y a bien des donneurs d'ordre sur le sujet. Ben, nous avons la mort inversée qui veut dire clairement tout est en décision cachée. Il y a des prises de décision pour exécuter, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, on se rend compte qu'il y a bien des gens qui sont au gouvernement ou des élites qui sont concernées par ce genre de choses, bien sûr. Actuellement, je vois quelqu'un que l'on voit beaucoup sur les plateaux, mais je ne peux pas donner son nom, qui est un des grands maîtres de ce genre de choses et qu'on voit beaucoup actuellement sur les plateau pour parler des situations actuelles, où je peux pas être plus clair, hein. Donc n'allez pas me demander les questions, je vous répondrai pas, voilà, mais je l'ai reconnu, donc voilà, ben, y a des gens que je connais quand même, donc voilà, donc ici nous avons le 3 gouverne, mais là à l'envers, qui me dit clairement au sein de la justice qu'il y a des gens, des infiltrés aussi, mais dans un autre sens pour le coup, qui sont responsables de ce genre d'action, et toujours, toujours, nous retrouvons dame patronesse, et même au niveau de la peste aux étoiles, parce que tout est relié, d'accord?
tout est lié et tout est relié. Donc, d'entrée de jeu, je peux vous dire que ce soit Matthew Perry ou le garçon là, en plus c'est un très beau garçon, celui qui faisait Plus belle la vie, rien n'est voulu de leur part, ils étaient mêlés dedans et ils savaient pas comment s'en sortir, et ben on les a fait sortir. C'est pour ça que l'histoire de l'accident, quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit c'est pas lui, il y avait quelqu'un d'autre. Et c'était sûr, comme d'autres, d'autres choses que j'ai données, comment il s'appelle celui qui s'est échappé là, je sais plus, de Ligonnès, hein, pareil. Pour moi, c'est pas tout à fait juste ce qui a été dit. Aujourd'hui, je me méfie beaucoup des médias. Donc ici, une action qui a été faite, ben voilà, pour la destruction. Et il y avait un maître décideur. Donc, quand on m'annonce, quand on vous annonce ce genre de choses, mort soudaine, comme ça, c'est pas bon. Alors, il y a eu l'histoire aussi de la potion. Hein. On sait aujourd'hui... Ah oui, ils nous refont le remake aussi de la potion avec la grippe. J'ai vu ça avec la grippe et puis l'autre, hein, le coco. Il faut les prendre et compagnie. Bon, apparemment, ils ont du mal à les caser. Ils ont bien compris qu'ils étaient à découvert, tous ces gens. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'en ai que trois. Non, on va en prendre une autre ici. Donc, pour moi, il n'y a plus de mystère, hein. Donc, c'est une opération qui est toujours couronnée de succès, comme vous voyez la petite couronne au sommet, d'accord? L'action, elle est, bon, c'est des ennemis cachés, pour retourner dans le sens de l'équilibre. Attendez, excuse-moi. Ah, voilà. Donc là, ça me dit clairement, c'est une justice qui est rendue. En fait, je connais ce genre de rituels qui sont des rituels cérémoniels, mais c'est pas les miens. Et je vous dirais que là, ça me pose un souci sérieux, parce qu'il demande que les gens fassent des sacrifices, mais eux ne veulent pas. Donc, ils veulent se sortir de cet engrenage, parce que si vous voulez, c'est comme... quand vous voyez des fois quelqu'un célèbre, c'est comme un pacte avec le diable. Hein. Je pense à une Christina, ben je ne vais pas vous dire le nom, vous voyez laquelle je veux dire, que j'aime bien apparemment. Là, elle est rentrée dans le côté sombre. Elle va descendre dans le côté sombre. Peut-être que la personne qu'elle a mariée va se révéler. Parce que bien souvent... on se marie entre soi et ça finit mal. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, il n'y a rien de bien heureux. Vous rentrez comme un jeune éphème. Vous rentrez dans une histoire cachée, sombre et compagnie, comme une secte, si vous voulez, un cercle de pouvoir. Et vous vous retrouvez dans un milieu. Donc, on voit les arts. Vous voyez, on voit un faucon. On voit ici... le patrimoine, hein, l'argent, le monde, le violon, le monde de l'art également. Nous avons la robe verte qui devrait vous dire le sens de l'occulte. Le vert, c'est la couleur de l'occulte, il faut quand même pas l'oublier. Et là, nous avons véritablement comme des rituels, des exécutions par des rituels. C'est très important les couleurs. Donc le vert est la couleur de l'occulte. Quand vous dites par exemple ouvert, vous savez le mot ouvert, d'accord, ou vers où va le culte. Percer vers anse, si vous percez le vert, c'est-à-dire l'occulte, la anse vous récoltez, d'accord, par exemple. C'est ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, il y avait bien un projet. Ouais, mais voyez, tout est à l'envers et le groupe reprend son espace. Il y a le voile caché, hein, le voile caché par rapport au rituel, aux connaissances et compagnie. Donc, c'est un cercle de pouvoir et compagnie. Et là, nous découvrons effectivement que la personne rentre dans une tour cachée et elle a affaire au groupe et c'est un des groupes qui sont hyper puissants.
Est-ce que nous arriverons à les faire tomber, vous et moi, à titre personnel? Non. Sur le plan spirituel, oui, mais ça suppose à ce moment-là d'être dans le monde spirituel en permanence. Ce sont des groupes hyper, hyper puissants. D'accord? Je vous le dis quand même, ils feraient que, comment dirais-je, ils font des rituels tellement puissants que c'est du lourd. En fait, ils créent un égrégore, c'est-à-dire de plusieurs personnes. Bon, je l'ai assisté, comment on était? 8 en Alsace, d'accord, à faire des rituels puissants, et effectivement, ça fonctionne. Donc, sur le mystère de ces gens, c'est pas compliqué, pour moi, ils sont exécutés. Même le garçon qui était de plus belle à vie, c'est la même chose. Voilà, parce que je connais ce genre de cercle-là. Je vous fais de gros bisous tendres, d'accord? On se retrouve demain pour d'autres aventures. Excusez-moi, mais en ce moment, bah écoutez, on va avec ce qui est, puis voilà, c'est clair que c'est comme ça. Voilà, je vous fais de gros bisous tendres, les enfants. Bye bye, bisous!